Spectateurs, bonjour à vous tous et surtout un très bon dimanche. Donc, nous sommes là juste pour vous informer et c'est pourquoi que nous vous souhaitons un très bon dimanche parce que c'est un dimanche. Merci pour votre fidélité et l'attention que vous accordez à Ofwanel Télévision. Aujourd'hui, un dimanche tout à fait différent parce qu'il y a eu des mouvements à travers la ville et vous allez me poser la question de savoir quel mouvement. Aujourd'hui, la jeunesse du parti Lumumbiste Unifié de Kikwit Babima qui n'a pas la balle pour Nakosala marche de santé. Donc, sous l'œil du procès que Ememoulou, donc tout a été organisé de sorte que non, marche de santé, on a Ezoa, Ampleur Moko, Yamalamo, et pour dire aussi à la population que non, la jeunesse des Palou, Bazali toujours en mouvement. Mais nous allons préciser que c'était juste donc la jeunesse des Palou, des Kazamba. Donc, parce que le procès que Aimé qui le c'était, donc le chef des travaux, Alistem Kikwit, donc il est le prosek de Kikwit et Kazamba. Donc c'est comme ça qu'il a organisé cette marche aujourd'hui pour faire voir aussi aux gens que tout se passe bien dans le Palou. Alors regardez un peu moi des moments forts de cette marche d'aujourd'hui dimanche. Continuer marche de santé, comme comment on a parti avec tout que le dirigeant de la professeure Winnie Makiachi, siège à province qui quitte, hein, mettre un endroit à goûter la main. Oh, allez, 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 cette marche qui a commencé comme le point de départ, ce point de départ a été juste la tribune il y a révolution à Kikwit, c'est là où le départ a été effectué et tokendeki malembe malembe ti tokomaki la siège il y a province, donc c'est là où nous étions quelques minutes après et on a passé quand on a passé donc on a fait la route jusqu'à Kazamba là où Zalaki pont de chute et la joie de tout ce qui venait de passer. Alors de cette émission là nous allons remercier donc l'homme qui a chapeauté ça de loin. Donc, ce n'est pas à moi de vous le dire. Donc, vous allez constater avec moi que c'est Ememoulou qui est le prosek de Kikwit ici, de Kazamba, qui est le chef des travaux de l'ISTEM, qui va vous expliquer qu'est-ce qui a été et pourquoi cette marche. Écoutez-les. Moi, c'est le chef des travaux Ememoulou, prosek Palou Kikwit. La marche de santé qui a eu lieu aujourd'hui, c'est une marche de santé pour redynamiser les activités du parti. Nous, puisque notre objectif, c'est encadrer la jeunesse, c'est comme ça qu'on a voulu encadrer la jeunesse par ce truchement ici. Donc le Palou qui est dirigé par le professeur Willy Makiachi, qui a eu une aide du camarade Odo Mumvudi, qui a sponsorisé cette journée pour qu'on encadre la jeunesse. C'est comme ça qu'on a encadré la jeunesse. Notre marche a eu comme point de début, c'était juste les tribunes de Kikwit. Nous chutons juste à la commune, là où il y a la province. Donc c'est au moins ça, monsieur le journaliste. Sache que nous sommes en train de lancer la jeunesse. La jeunesse, nous ne pouvons pas croiser les bras. La jeunesse, c'est l'avenir de la jeunesse du demain.
Nous demandons à tous les jeunes de venir massivement s'adhérer au PALO, suivre l'exemple des jeunes que nous avons ici. Ces jeunes-ci que vous voyez, ils sont licenciés, gradés, tous là. Ils ont besoin d'émerger dans la politique. C'est comme ça que nous appelons ceux qui ne sont pas venus, ceux qui ne sont pas ensemble avec nous, d'adhérer au PALO pour qu'ils se retrouvent. Nous appelons la population de Kikwit en général, et particulièrement la jeunesse du PALO, de s'enrôler massivement pour les élections qui sont en train de venir. Après lui, ce n'était pas seulement lui, parce qu'il y a eu aussi les coordonnateurs de la jeunesse. Donc, il y a la jeunesse Wana, Bazan Kiwana, et Bangope, Bazan Akele Rolobate. Donc, écoutez aussi ce qui s'est passé et on reviendra. Mbang Mawel Espoir, Maître Espoir, dans le cadre du parti Naza Corridor la jeunesse, merci bien. Marche Nabusso, l'équipe parce qu'il faut redynamiser le parti et surtout dans le cadre de la jeunesse, tout sensibiliser parce que les gens qui ont été un peu éparpillés, quand ils tenaient à moi, ils ont été ADF, ils ont été tout ça. Mais c'est comme ça que nous avons organisé une marche de santé pour ensemble pour que bâtir. Oui, message il y a le professeur Willy Makiachi, secrétaire général chef à parti. C'est ici où il y a vraiment la réalité. Je suis contente parce que la marche s'est bien passée, il n'y a eu aucune incidence. C'est pourquoi j'invite tous les jeunes de venir massivement s'adhérer au PALO parce que le PALO est toujours là, un et un. Bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Oui, votre nom, vous êtes qui dans ce cadre ici? Merci. Je suis cordon superviseur à la jeunesse lumumbiste de Kwid. Donc je suis cordon superviseur adjoint, mon titulaire avant de Louisville. Et je suis ici pour la supervision des activités de la jeunesse. Pour le message, je suis très ravi, je suis très très content de cette marche d'aujourd'hui. Je remercie grandement le professeur Memboulou et le cordon à la jeunesse camarade d'Espoir Mbang pour m'avoir invité à participer à cette marche qu'on a débuté à la commune de Kazamba jusqu'au niveau de la tribune et nous sommes repartis de là jusqu'à la commune. Ça donnait vraiment l'ampleur à travers la cité et c'était une façon de visibiliser les partis. C'est pour dire aux gens que le parti évolue, le PALO n'a pas été divisé, le PALO est un et un. C'est passé dans de très bonnes conditions jusqu'à la fin. Passe tout ça qui chute la marche de santé et on a senti que non, il y a eu réjouissance. Donc, moi et l'autre, quand les gens ont été tamboulés, donc tout a été bien fait et c'est acquis toujours très bien. Donc, merci parce que la PALO, la jeunesse s'est mobilisée. On a coûté des cas d'ambé, bonsoir, bazabangonio, sozandé. Donc, je crois que ce dimanche qui vient, il y aura une marche de force organisée toujours par le Prosec Aimé avec d'autres camarades du parti et c'est pour dire. Non, na Babiloko nyonso oyo, ils ont les galakats qui quittent sous le plan insécurité. Donc, Bajé na palou de l'ensemble, na jeunesse qui quitte. Vous pouvez aussi vous aligner derrière cet événement, afin que Bissonio se trouve à la derrière ce message, afin que Batwa et Bakenakats qui quittent, nous ne voulons pas d'insécurité. Parce que Biloko n'est pas la Bissonio, c'est la matinée qui quitte. Et voilà que, comme il y a un peu de temps, donc avant, un peu de temps, il y a Nadine Barabala, qui a été en train de se faire. Et les deux jours ici, il y a un arbre de guerre. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une sécurité impossible. Et c'est comme ça que la jeunesse de Palou, donc, dans le procès de Nabango, Lingi, Biloko Wanate et Salama, c'est comme ça que c'est dimanche. Donc, dimanche, ils sont dans le où ils sont à l'Ibosso. Donc, ils sont dans le Barabala. Pour exprimer les ras-le-bol. Merci beaucoup parce que vous avez beaucoup suivi et nous croyons que la fois prochaine ça sera aussi plus mieux que ça. Merci, au revoir, c'est tout, bon dimanche à vous. Merci et à travers cette émission, nous ne manquerons pas à dire merci à tous ceux qui ont soutenu cette marche de loin ou de près. Là, nous disons na ba procès que nous sommes mis à tout bazar sur place et surtout à lui aussi, le superviseur provincial. Donc, c'est lui qui regarde tout le coup de la jeunesse. Lui, il s'appelle Jimmy Pika avec Bandekouana Moussousou. Merci parce que vous avez été nombreux et que nous vous disons merci pour ça. Au revoir et à la prochaine occasion.